Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Ben moi, je suis prêt. C'est toi qui tu me dis Moi, je suis prêt aussi. <laughs> je vais te lire une petite intro, Nicolas. Et après, je vais te faire réagir à ça. Go. Nicolas, bienvenue chez moi. Euh, on est dans mon salon. Nicolas, tu as 42 ans. Tu as un passé d'hétéro. Marié une fois et paxé trois fois avec des femmes. Tu as deux enfants et tu viens de faire ton coming out il y a trois ans. Tu grandis et vis depuis toujours dans des petites villes. Entre guillemets en province, comme disent les Parisiens. Tu grandis en brigade de gendarmerie parce que ton papa est gendarme. D'ailleurs, tu dois être l'enfant exemplaire. Tu sens très jeune une attirance claire pour les hommes, mais tu dis à ta sœur c'est sale et tu enfouis tout ça au fond de toi. Et puis adulte, tu veux des enfants. Tu te maries, mais la honte d'aimer les hommes reste. Tu vas nous raconter l'impact de cette honte et comment petit à petit tu parviens à desserrer son emprise et faire ton coming out. Et ce coming out à 39 ans ouvre pour toi un nouveau chapitre et pas des plus simples. Tu découvres ce monde gay entre guillemets, les cases grinder dans lesquelles tu ne te retrouves pas, le sexe mécanique avec les hommes si différent du sexe que tu as eu avec des femmes, les codes et les préjugés de ce monde gay que tu découvres. Alors aujourd'hui, tu trouves petit à petit ton alignement d'homme gay. Tu es depuis quelques mois avec un amoureux et tu vas nous raconter tout ça. Avant que je te fasse réagir et que tu puisses dire ce que tu veux, j'ai quand même envie de célébrer. Je fais une petite parenthèse, coulisse du podcast. Euh, on a atteint hier les 114 donateurs, donatrices mensuelles dont tu fais partie. C'est ça. Tu viens de me le dire avant. Merci à toi. Non, c'est vraiment chouette. Et c'est pas assez pour le moment. Je peux pas. Ça me fait, après avoir enlevé tous les frais et les, et les impôts d'auto-entrepreneur, ça me fait autour de 500, 600 euros net. Mais euh, je célèbre. Et en, les gens qui écoutent ce podcast régulièrement, j'essaye de donner des, des nouvelles. Et je trouve que 114, c'est un super beau chiffre. Et je remercie chacune de ces personnes. Tout le monde peut pas faire de dons. Et c'est OK. Moi, j'ai envie. Et c'est quelque chose de vachement important pour moi que le contenu reste gratuit pour, pour tout le monde. Donc, je vais trouver d'autres façons pour moi de trouver un modèle économique parce que pour le moment, j'essaye d'en vivre. Et c'est moi qui investis mes économies. En fait, c'est moi qui subventionne euh, le podcast. Et ça va pas pouvoir durer. Donc, j'invite les gens, s'ils le peuvent, à faire un don avec l'info qu'on peut faire un don ponctuel donc moi j'invite à faire 5 euros par mois parce que ça me donne une visibilité euh, mais il y a des gens qui font directement un an et ils n'ont pas envie de donner leur carte bleue tu vois ou le, la, la ponction mensuelle c'est tout à fait possible et c'est sur le site Bit du podcast. comment devenir c'est la fin de ces petits coulisses d'abord tu m'as dit que ça faisait deux ans je crois que tu écoutes le podcast oui c'est ça. Et, et j'avais envie de te demander sur ce chemin que, que je, dont, je viens de, dont je viens de parler, qu qu'est-ce qu que ça a fait pour alors, toi Alors, c'est très agréable. En fait, je me suis revu euh, quand j'étais gamin, alors, voilà, où tu sais de trouver toutes les informations. Que tu peux avoir comme le Wikipédia de, que tu cherches partout euh, des informations et le podcast. Est arrivé pile poil dans mes recherches. C'est-à-dire que euh, moi, je faisais. Donc, pour mon travail, je fais beaucoup de trajets en voiture. Mmh. Et, euh, et je cherchais un podcast agréable à écouter. Et surtout, à, en fait, à avoir euh, les informations que je ne trouvais pas euh, en province. Euh, bah, la sexualité, est-ce que c'est normal que je pense à ça ou pas mmh. euh, euh, Les fameux kings que tout le monde bah, a plus ou moins. Et là, j'ai dit, ah, chouette. On Alors, il y avait un euh, autre podcast qui était, euh, que j'avais vu avant, ce qui était plus sûr. Euh, mais le tien était beaucoup plus euh, en adéquation à ce que je recherchais. Mm -hmm. C'est-à-dire de couvrir des personnes différentes, comme moi. Parce qu'en en fait, en province, comment vous dire euh, Ce n'est pas courant. Est-ce que tu es à l'aise de dire de quelle province Oui, je suis à Poitiers, moi. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, euh, avec mon travail, je bouge beaucoup tout, partout en France. Mais. Euh, en, euh, le spectre de, de la province, c'est que vraiment, quand tu n'es pas dans une euh, grande ville, euh, le grinder que tu as ou les applications de rencontre que tu peux avoir, bah, en fait, pas de chance. Euh, bah, ce qui se passe, c'est que bah, en tu fait, as le, bah, la personne de, qui ne te convient pas, tu as un, un ou deux profils okay. à plus ou moins 20 km pour certains. Okay. Donc, bah, tu te contentes soit tu contentes de peu, soit tu te tais, soit, euh, bah, soit tu vas dans les petites villes ou les grandes villes. Pour retrouver, bah, enfin ton épanouissement que tu ne trouves pas en campagne. Ok. Et que, que je comprenne. Euh, à, je suis jamais allé à Poitiers. Alors, est... Poitiers. Euh, Est-ce qu'il existe vraiment aucun bar LGBT Alors, ils ont, ils ont tous fermé, au fur et à plus ou moins, ou adapté à la population maintenant euh, qui est euh, métrosexuelle et euh, qu'on peut avoir. Euh, honnêtement, il y a un sauna qui, ouais, qui fait des soirées, qui fait des journées, des soirées euh, euh, purement pour les hommes, pour les rencontres mm -hmm. hommes. Mais à côté, il n'y a rien à côté. Donc, c'est le désert, en fait. Okay. donc il euh, n'y a ouais. pas d'assaut. Ah tu... si, il y a une assaut LGBTI et euh, des assauts euh, où, comme, comme moi, là, euh, cet été, je suis allé voir une, euh, une assaut qui organise des marches de la fierté. Mmh. Donc marche rurale euh, que bah fait, donc vous en ville vous avez donc bah voilà la gay pride et tout ça nous on a des marches voilà euh, plus ou moins adaptées et c'est bien parce que ça ça permet en, en, il y a 10-20 ans de ça il y avait rien du tout en fait tu devais de te terre tu devais, euh, si c'était euh, si t'étais le gay euh, du coin bah en fait c'était le gay et euh, dès que t'étais un peu tendance à être féminé ou ou alors tu tu tu, tu étais euh, moins fort dans les critères euh, classiques bah, en fait, tu étais, euh, étais catalogué à euh, genre bah, la personne, c'est lui, voilà, c'est mmh. la personne qui est gay. Ok. Donc toi, ton accès à la vie gay entre guillemets, hein, euh, toi tu, tu à un moment donné là dans ta réponse, tu as mentionné euh, c'est un peu fait pour les hommes métrosexuels. Ouais. Ça veut dire quoi pour toi Alors plus non pas donc plutôt hété... mon terme était plutôt hétérosexuel, c'est-à-dire que maintenant les euh... Il n'y a plus de bars purement pour des rencontres LGBT qu que, que j'ai pu connaître dans le passé, en fait, sur, sur ah, ma ville. Ah, j'ai mal voilà, compris. C'est ça. Ah, j'ai cru que voilà, tu, tu disais plus... qu'il y a des assauts ou des bars, mais pour certains non, hommes. Non, gays... non, malheureusement, ça n'existe ah plus. Non, Même la seule boîte qui était, euh, qui était en rencontre gay, bah, maintenant, c'est plus des jeunes qui y vont, bah, plus, euh, et pas de sexe. En fait, peut-être que maintenant. Nous, euh, la société, bah, en fait, on n'a plus de lieu vraiment de rencontre pure à part les, les, les lieux de drague qu'on qu fréquente de ton centre. Mais, euh, mais voilà... On sait, on sait toi et quelqu'un d'autre. Ouais, ouais, ouais Alors moi, euh, j'ai fréquenté... Et bah, d'autres personnes que j'ai pu rencontrer sur place, hein, voilà. Oui, bien sûr. Donc, euh, aux alentours de Poitiers ou dans Poitiers, il y, y a des lieux publics de rencontre. Ouais, plus ou moins. C'est ouais. des lieux, des heures de repos, des, euh, des, euh, des lieux de rencontre qui sont sur des applications connues ou, ou qu'on peut voir du monde, et fréquenter du monde, ouais. hein, qu'on a vraiment envie. bah ouais. Euh, moi, je te propose qu'on fasse ça chronologiquement. Voilà. Ouais, et okay. donc, on recommence à euh, l'avant coming out. Et ma première question, c'est, tu n'as pas forcément besoin de te raconter de façon chronologique. D'accord. Mais euh, est-ce que tu te souviens d'un ou de plusieurs déclics pour faire ce coming out Alors, euh, dans la chronologie, donc déjà le, le déclic, c'est déjà d'assumer, euh, de comprendre qui, euh, pourquoi j'étais... Je regardais les hommes plus que ça. Euh, même depuis tout petit, euh, bah, attiré à, à regarder les hommes. Et j'ai ah, oh, tiens euh, moi, je, bah, la fille du coin qui me fait me faire des bisous ou autre chose, ça ne m'intéressait pas plus que ça. C'est sympa, oui, mais euh, il y avait des interdits. Il dit Ah, bah, lui, il serait plutôt, ça serait sympa, mais je ne savais pas mettre des mots dessus. C'est mmh. vraiment quand j'étais tout petit. Après, euh, arrivé au coming out, c'est qu'en fait, on, on est confronté, euh, et moi j'étais confronté en fait, à, à, à faire, avoir une vie euh, comme tout le monde c'est-à-dire que c'est-à-dire que tu te dis euh, ah ben bah, t'as envie d'avoir des enfants bon ben bah, c'est plutôt euh, euh, je suis dire renseigné, je dis ah ouais mais tout seul c'est pas possible ou c'est très cher euh, donc bah je vais essayer d'assumer même si j'aime pas donc je suis attiré par les femmes mais pas plus que ça euh, bah, je vais avoir une vie classique donc du euh, du parfait euh, personne une personne classique c'est-à-dire tu te, tu te rencontres quelqu'un une femme euh, tu te maries avec elle t'as des enfants mm -hmm. donc, et ça c'était euh, euh, ça c'était d'abord pour prendre soin de ton désir d'enfant ou c'était aussi pour pas, être pour pas être emmerdé Pour pas être emmerdé, pour pas être en fait ciblé par. Euh, bah, ça fait longtemps que tu es célibataire, tu, euh, tu fréquentes personne, il y a beaucoup de, euh, de on dit. Euh, t'entends les ragots du coin et de dire ah bah lui bah, dis donc euh, il connaît les est pas de quelqu'un je suis sûr il doit être gay ou autre chose mmh. donc pour pas le faire démasquer <laughs> c'est le cas de le dire c'était dur d'avoir cette, cette double cette euh, comment dire euh, cette euh, bah, se cacher cette vie là en fait d'être attiré par quelqu'un mais tu peux pas le prouver tu peux pas la... donc déjà faut que tu l'acceptes et après faut que tu euh, tu te dis oh vu dans la zone géographique où je suis situé et dans ma vie je ne peux pas dire ouvertement, et à l'époque euh, c'était plus compliqué, moi j'étais sur les années 90-2000, et c'était très compliqué d'assumer son homosexualité euh, devant tout le monde, mmh. surtout en campagne. Ramène-moi dans cette réalité de campagne que tu décris quand tu dis les gens du coin, il y a des ondes. Euh, euh, donc, tu habites dans une peu... un, un, un village, petit village. Un petit village. Tout le monde se connaît. C'est ça. Et donc, le fait que tu sois célibataire, ça se voit bah, Ça se voit, en fait. Tout le monde se connaît. Tout le monde, euh, bah, s'ils ne savent pas, raconte ta vie en déformant ta vie. Donc, euh, il fallait être exemplaire. Et euh, mon père m'a vite, euh, vite dit, quand j'étais petit, euh, euh, je suis gendarme, il faut que tu sois exemplaire. Si tu fais une bêtise, ça va retomber sur ma carrière. Donc, euh, mmh. j'avais une pression. Euh, bah, petit de dire ok faut que je, passe, je fasse pas de vague mmh. donc pas de vagues veut dire que bah, avoir une vie classique rencontrer des femmes bah, faire des premiers bisous les premiers contacts et, euh, et derrière bah voilà, moi euh, j'étais dans une prison bah, pas dans une prison j'étais dans un euh, mon père a euh, vu son travail en fait vivre dans une brigade dans un petit village c'est vivre, vivre en fait dans un espèce d'immeuble où tes voisins sont les collègues de ton père où le soir, c'est fermé à 20h, donc il faut les clés pour ouvrir le portail, pour entrer dans la cour intérieure. Euh, voilà, donc en fait, là-dessus, tu te construis, tu te dis, ok, donc il euh, faut, faut que je fasse comme tout le monde, c'est-à-dire que si je suis amoureux, bah, si je fais, même si je suis bourré sur place, il faut pas que je le fasse, donc il faut que je sois exemplaire et que j'ai une ligne droite. Ouais. Euh, si tu es bourré, faut pas que je le fasse. Faut pas que tu fasses quoi ah, Faut pas. Que, donc, euh, faut pas que si je suis bourré, faut pas que je touche un homme ou que ça soit euh, ouais. ou j'ai euh, un contact parce que sinon, ça va être. Il euh, bah, y avait pas les euh, les téléphones qu'on qu a qu'on a aujourd'hui où c'est filmé ou autre chose. Mais il y a les, les langues et les, euh, les personnes qui parlent de ta vie. Ouais. C'est une pression de fou quand tu connais ton voisin en fait. Le voisin du côté euh, à côté, bah, il connaît toute ta vie en fait. Mm -hmm. Une brigade, c'est donc c'est le lieu c'est voilà, le lieu où les gendarmes et leurs familles vivent. c'est ça. ça et donc euh... ça peut être des petites maisons comme un lotissement, mm -hmm. mais aussi bien un bâtiment principal avec euh, bah, les voisins, euh, la famille, euh, bah, le gendarme euh, à côté euh, qui est le collègue de ton père avec euh, leurs enfants, donc on vit tous dans une petite brigade euh, qui va bien, et euh, le, le même dans le même bâtiment, ils ont leur, euh, leur petit espèce de commissariat où y a, ils font leur fonction et les personnes viennent voir okay. euh, directement les, personnes, donc les, euh, les gens, bah, les, les gendarmes, pour... et toi tu habites juste à côté. Donc il ne faut pas faire de vagues. Si tu fais du tapage nocturne ou si tu as de la visite, tout le monde le zoote. Ouais. Et c'est très compliqué. Ouais. Ouais. Tu te souviens de... De symptômes. C'est marrant. Je me. Je, <laughs> non, mais je, je me sens. Je sens mon corps. Je me sens. Euh, J'ai du mal à respirer. Oppressé. Enfin, je, je ouais, je me sens un peu oppressé. Genre, en enfin, fait, je me projette. J'ai de l'empathie pour ce que tu dis et du coup, je ressens. Oui, ça va euh, mieux. Hein. <laughs> ouais, ouais. Bah, tu veux nous raconter. Mais je ressens l'enfermement de la grille qui ferme à 20 h et du et du huis clos et des et de regards et des paroles. Euh, euh, toi, dans dans ces années. Mmh. Est-ce que tu te souviens de l'impact sur ta santé mentale Est-ce que, je ne sais pas, je, insomnie, angoisse Alors, alors euh, oui. Alors, en fait, c'est on remet vraiment, on ressent directement les années 90-2000 où euh, tu sens une pression, donc de, de fou sur tes épaules, parce que, au niveau, il faut être exemplaire. Euh, quand tu euh, quand tu veux te balader, bah, tout le monde, tes potes, euh, avec bah, qui tu te balades, tout le monde le sait. Même tes parents sont au courant avant que tu rentres. Avec qui t'étais Ah ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est un petit village donc euh, donc les petits villages. Ça, tout Parce plus, que il y en a un de qui vous... a croisé. Qui a, non, il y a une, une maman qui a croisé une euh, autre maman et ça, et le téléphone arabe va très vite en fait. Ah ouais. Donc, c'est ça. Euh, moi, je sais que j'ai eu des moments où je m'ennuyais, ou des moments où tu te dis, mince, faut que pour, euh, je suis attiré par les hommes, mais je ne suis pas normal. Je me disais ça. Et, euh, Parce que c'est ce que tu as dit à ta sœur jumelle. Alors, je, soeur, alors, en fait, ce n'est pas le terme. En fait. Moi, j'ai dit à ma sœur, alors je replace le contexte, c'était qu'on euh, était dans une école, euh, j'ai une sœur jumelle. Euh, donc, je lui dis, voilà, je suis amoureux, amoureux du Roméo de la classe. Et elle me dit, non, c'est elle qui m'a dit, non, c'est sale. Et donc, moi, ces mots-là, j'ai dit Ah, c'est sale, donc il faut que je me taise, il faut que j'arrête de dire que je suis intéressé aussi même par les femmes, alors plus par les hommes qu'avec des femmes. Et voilà, c'est ça. Tu quel âge J'avais 8-9 ans. Voilà. En fait, il est là ton premier coming out. <laughs> ouais, mais euh, c'était passé bon euh, sur le terrain de l'école. Euh, voilà. Et là-dessus, tu te dis, bon, ok. Mais attends, ça, ça, ça m'impressionne parce que du coup, à 8-9 ans, tu avais une relation forte avec ta sœur jumelle, tu te sentais en sécurité. Oui, pour lui, de dire, lui ouais. dire. Et tu n'avais pas encore de préjugés bah, en fait sur ce ressenti, c'est ça bah, C'est surtout que moi, j'étais euh, intéressé. Je dis, ben bah, voilà, il est mignon, je trouve ça euh, sympa. Mais je dis, je suis amoureux par... Donc j'ai dit, je vais le dire ouvertement à ma sœur qui est dans la même classe que moi. Donc, je lui dis, voilà, je suis amoureux de, donc, euh, bah, du fameux Roméo. Et, euh, et là, derrière, euh, elle fait, ben bah non, c'est sale. faut pas faire ça. Toi, tu, tu dois aimer que les filles. Et là, tu te dis, bon, ok, tu tires tu ça. Et tu te dis, de tant que euh, je suis euh, dans le. Alors, en plus, tu sais pas ce que c'est, parce qu'en fait, à 7-8 ans, tu pas sexualisé, rien du tout. Tu, dis, tu veux faire juste des bisous-bisous pour tester. Mm -hmm. euh, 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 et. Moi, c'était quoi, mais justement, c'était quoi tes images de l'homosexualité Est-ce que dans le village ou à la gendarmerie, il y avait, il y avait des personnes Alors, euh, les mecs étaient très très beaux, il hein, ne faut pas cacher, parce que les gendarmes sont physiquement, euh, font du sport ou reste. Donc, euh, les collègues de, mes, de, mes, de mon père, hein, qui à l'époque avait une quarantaine d'années ou 30 ans, il bah, y avait des jeunes qui arrivaient à 25 ans et, et c'était. Des... physiquement, ils étaient pas mal. Et donc, en fait, ils avaient des rencontres aussi avec d'autres. Euh, type de gendarme qui était mobile. Et je me rappelle, moi, avoir, euh, avoir fait des, des étés à faire la fête avec euh, bah, ses collègues sur, dans, le, dans la cour du, euh, du, donc de, euh, du bâtiment, pas euh, bah, cour jardin, où euh, bah, ils boivent de l'alcool comme tout le monde, et euh, c'est bon, puis fait tard. Voilà. Donc euh, et là, tu fais, bah non, faut pas que je le fasse... t'as as 10, 15. Alors, après, j'ai changé change d'endroit, je suis arrivé sur le, près de Poitiers. Mais euh, je me rappelle ces souvenirs-là, jusqu'à euh, 12 ans, tu te dis, ah oui, les becs, les... ils sont pas mal. Mmh. <laughs> voilà. et, et ma question, c'était est-ce qu'il y a des, des, des références gays Est-ce que dans, dans ton village, dans, la ben, dans, dans ta réalité, alors, à 8-9 ans Alors non, il n'y a malheureusement pas de, vraiment de représentation gay. Euh, moi j'avais l'occasion en plus c'était euh, départ à côté de à côté de Royan donc euh, donc, on allait souvent à la plage ou autre donc je voyais des cordes d'hommes dénudés ou autres mais pas de personnes représentatives dans mon euh, il n'y a pas eu ah, non. il n'y a pas eu euh, le gay du village non il y pas, pas du pas tout y y avait... c'est un peu plus tard où euh, vers euh, 15-16 ans il y a un, un ami alors, un cousin d'une amie qui a euh, qui était euh, qui était lui qui a avoué vers 17-18 ans qu'il était gay donc il a il est allé directement il a travaillé dans une boîte de nuit euh, et tout le monde faisait ah mais c'est lui ah t'as vu c'est lui euh, voilà et euh, t'as toujours les blagues de gros lourdeau, c'est à dire que euh, que tu peux avoir c'est euh, du genre ah ouais euh, ah non mais non il ne touchera pas euh, ça peut être une maladie ou une seule, mmh. euh, tu te dis mais ouais ok t'es euh, plus faible que les autres t'as le, souvent le terme sale quelque chose qui sort et là tu te dis ah ouais donc moi, même mes potes qui sont proches bah, dès que tu es un peu plus faible ou dès que tu as, as de l'empathie pour quelqu'un, euh, ah bah ouais, bah lui, c'est une tarlouse. Mmh. Tu fais OK. Je reprends le contexte c'était les années 99, 90, de 2000, où euh, ces termes-là, péjoratifs, tu l'entendais à toutes les conversations, les blagues, c'était les. Euh, quand t'es alcoolisé, bah, c'est les blagues, faire euh, moi touche, me touche pas, je suis pas un PD ou autre chose. Et là, tu te dis ah ouais, bon bah on va se taire, hein, on va Mais un ouais, peu, c'est ça, t'enfouit. Et tu te dis euh, quand j'aurai une porte ouverte, je pourrai euh, faire ce que je veux plus tard. Voilà. Euh, je reviens à ma question sur l'impact sur ta santé mentale. Est-ce que euh, est-ce qu'il y en avait Alors je, je vais imaginer un peu plus. Est-ce que moi ma question c'est est-ce que pour toi euh, enfouir a ah, eu un impact euh, Ça a eu un impact Psoriasis, <laughs> alors, eczéma, non, euh, insomnie, angoisse, dépression J'ai eu des... Euh, alors, si je peux le traduire, j'ai eu be be beaucoup d'insomnie. E euh... Non, attends, excuse-moi, je, je vais au bout de. Euh, J'essaye pas de en fait, non, mais Est-ce que toi, tu as déjà fait le pont le, le fais pas avec moi si non. tu l'as jamais fait. Non, Après, c'est comme une vie classique d'un enfant qui, ouais. euh, qui est en, en campagne, qui, a, qui est pas venu, parce que les parents, bah, mine de rien, mes parents sont assez ouverts. Donc euh, là-dessus, euh, ça va. Euh, j'ai bah, une soeur jumelle, mais j'ai aussi un une grande soeur et un grand frère. Donc j'étais le dernier, le petit chouchou euh, de la famille. Euh, voilà. Euh, non, classique, classique. Assez ouvert, ça veut dire quoi C'était assez ouvert, c'est euh, au niveau de la politique, au niveau du racisme, et, euh, eux voilà, ils ne voulaient pas, ils nous ont ouvert sur l'esprit, sur dire euh, on accepte tout le monde, on a, on a une vie, euh, il ne faut, euh, faut pas avoir peur de l'inconnu. Ce que disaient ma mmh. mère et mon, et, et mon père, c'est l'inconnu qui génère de la haine en fait. Et ils ont euh, posé des mots sur euh, l'homosexualité. Eh ben non, à cette époque-là, bah, malheureusement ou heureusement, ils n'avaient pas. Pour eux, c'était pas, euh, c'était pas un sujet en fait. Mm -hmm. Et donc, euh, et vu que on n'en parlait pas, et pour nous, c'était. Euh, en tout cas, moi, j'ai le sentiment que on n'en parlait pas et que. Euh, bah, on n'avait pas d'exemple, en fait, des okay. personnes qui étaient, qui étaient gays entre les amis de mes frères et sœurs. Il n'y avait non. pas. Bah, Années 80, 90, année sida. Donc euh, s'ils regardaient la télé, oui. C'est ça, c'était le prisme de. Euh... Ils ne t'en parlaient Donc... pas sous ce prisme-là Non, en fait, on, on peut en parler du sida. Ils ont dit, voilà, très rapidement, ils ont dit à, à, à tous leurs enfants bah, prenez, si vous sortez, prenez une capote, jouez avec, on s'en fout, mais soyez protégés. Euh, ça peut toucher n'importe qui. C'était déjà assez. Euh, reç... alors, on n'a pas parlé exactement, mais je pense qu'ils n'avaient pas stigmatisé la communauté gay en fait. Parce qu'au début ouais. des années euh, Sida, la communauté gay était stigmatisée. C est, c est on a appelé ça le cancer gay. C'est intéressant parce que tu as l'air de décrire euh, des parents assez ouverts, comme tu le dis. Ça t'a pas donné envie de faire un coming out Eh ben non, parce qu'en fait, moi, je savais pas exactement. Euh, J'avais pas de, de contact déjà avec un, un homme. Euh, et après, je voulais pas leur apporter la honte que j'avais indirectement mmh. avec mes amis. C'est-à-dire que mes amis, déjà, leur, leur blague assez lourdes, euh, de dire bah oh, t'es féminin, t'es gay ou autre chose. Donc je voulais pas apporter la honte sur ma famille en fait. C'est dur, hein. Mais c'était une, euh, une pression que moi je me mettais sur les épaules et pas sur ma famille en fait. Mmh. Voilà. Donc tu leur dis pas Je leur dis pas. Et j'imagine, enfin je, je projetterais. Que tu as envie de te casser le plus vite possible. Alors, j'ai eu une grande porte, euh, c'est qu'en fait, on, avait, on vivait assez loin de Poitiers, à euh, 50 km, bon voilà. Donc, j'ai fait mon lycée euh, sur Poitiers et dont l'internat. Vive l'internat. Mmh. Euh, donc. On serait... Ton visage <laughs> s'illumine. Euh, oui, 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 parce que. Bah, en fait, c'était une liberté. C'est-à-dire que. Bah, plus, plus de. Alors, pour moi, je... c'était la prison dorée. C'est-à-dire que je quittais la... la semaine pour aller à l'internat. Donc, euh, j'avais pas de parents. j'avais pas de, euh, commun... donc, de gendarmerie euh, à ouvrir ou fermer les portes ou autre chose. Une petite liberté. C'est-à-dire que tu es déjà dans l'internat de garçon. Déjà, c'est très agréable à voir. <laughs> voilà. Donc, bah oui, bon, après, voilà, ne pense pas que es... <laughs> Tu souris, tu rigoles donc oui, je... oui, oui, parce qu'en fait, c'était à l'époque des années 90, donc il y avait euh, bah, les douches euh, communes, donc ça veut dire chacun avait sa cabine, mais on se promenait tous à poil euh, pour aller prendre nos douches ou, euh, ou le reste. C'était très agréable, aussi. ouais <laughs> C'était un bon, bon senti, et là, je dis chouette, je peux être qui je suis. Donc, j'ai quand même des copines qui étaient euh, de mon collège, qui étaient, venues à, donc, qui étaient venues dans le même lycée que moi, mais j'avais un anonymat donc moins pré, moins de pression que euh, dans un petit village qu'est-ce que ça a fait alors sur ça a fait que bah on m'a donc là euh, alors j'étais assez efféminé. Alors, une voix assez douce comme ça je parlais tout doucement j'étais assez timide pas féminé timide et, euh, et là mais peut-être perçu efféminé. oui bah toujours parce qu'en fait quand tu as une voix douce comme ça les personnes ouais. se disent oh là mais c'est qui ce monsieur mm. euh, et euh, et à l'époque c'était j'ai eu les cancans, comme tout le monde en fait quand tu es au lycée. Alors c'est moins. Euh, je trouve que le lycée c'est plus agréable parce que personne commence à s'ouvrir euh, au monde et euh, tes amis et les camarades de classe sont plus ouverts. Au collège, ça taille, ça taille, ça fait mal. Donc pas de rapport sexuel avec un homme. Je crois que je alors, vais aller plus direct dans ma si. question. Oui. Tu... Ok. Dans, alors, à l'internet, est-ce que tu découvres ta sexualité Alors je découvre euh, mes cachets. Très balin, Nicolas. Euh, caché, c'est-à-dire que euh, j'ai, donc des, euh, dans le public, donc devant tout le monde, je sors avec des femmes, donc des filles. Euh, mais parfois enfin, j'ai eu une, une rencontre gay euh, qui était pas mal et on a testé beaucoup de lieux du, du lycée. Ok. Tu as quel âge à cette époque Alors, euh, 16 ans. Et alors, pour, pour dire, euh, premier rapport sexuel avec une femme à 15 ans et 16 ans avec un homme. Euh, tu dis j'ai eu une, un rapport gay, c'est-à-dire dans le lycée. Dans le lycée. Comment arrivé Comment t'as réussi alors, sans, euh, en étant caché, en cachant ton homosexualité Comment t'as réussi Alors, euh, à le trouver en fait, on, on a des permanences, donc des possibilités donc de faire des études, donc de faire nos devoirs le soir, et après on sort de temps en temps euh, bah, avant d'aller se coucher ou euh, pendant le réfectoire ou autre, et le, le mercredi après-midi. Donc le, le mercredi après-midi, le lycée est vide. Et dont certains parties de l'internat au rez-de-chaussée qui étaient libres et des toilettes qui étaient dispo. Donc voilà, donc on peut être très très seul euh, et être tranquille. Voilà. Ah oui, mais alors je comprends l'aspect logistique mmh. de comment as-tu as -tu réalisé le rapport sexuel. En revanche, comment euh, tu comprends que lui aussi pourrait avoir une attirance Alors comment en fait, tu... c'était euh, une soirée euh, alors mélange alcool et, euh, et, et pétard voilà faut être clair et on s'est détendu on a commencé à se toucher on fait, ah c'est sympa euh, un bisou est arrivé on était tous les deux et après bah, on a on a, on a eu de, la, de, la, de la plus loin. voilà mmh. c'est euh, j'imagine que si toute ton identité euh, sociale et tu vois quand t'es collégien ouais. et lycéen l'identité de par rapport au groupe elle est elle est elle est essentielle si toute ton identité dépend de de, de, de de cacher une information le fait d'avoir brisé ce silence ce, ce, ce alors, mensonge avec quelqu'un est-ce euh, que t'as pas surflippé de alors, te dire il va me alors oui mais non en fait j'étais euh, le fait d'avoir vécu comme ça avec euh... Bah, mon petit secret, euh, école, collège, lycée, en fait ce qui est arrivé c'est que j'étais sur le contrôle de tout, c'est-à-dire de mon image, de mes attitudes, le petit doigt faut pas qu'il te levé quand tu prends ton petit thé ou ton café, faut, faut, faut le fermer, j'étais dans le contrôle de tout et donc là euh, j'ai réussi à contrôler cette, cette partie-là parce qu'en fait c'était toujours des lieux déserts, euh, on faisait pas plus de, de, on se touchait pas plus que, on se touchait pas déjà de base euh, quand on se voyait directement avec d'autres comme camarades ou dans sûr. le lycée. Mais tu t'avais voilà. pas peur que lui euh, dise aux autres Ben non, parce que lui aussi, ça, il, euh, il s'est étonné de, de trouver ça agréable. Même à côté, euh, il est sorti avec, bah, il est toujours, je crois qu'il est hétéro maintenant. Bien toujours, être, il a testé avec des hommes, mais c'était pas euh, sa continuité. Il voulait tester, voilà. Ouais. Il découvrait son. Voilà. Euh, toi pendant ce cheminement tu te sais euh, attiré par les hommes oui. et tu sors avec les femmes uniquement en mode performance ou est-ce que tu, tu trouves ton compte ton plaisir tu... alors euh, on a en fait on est notre... alors, moi j'avais dans ma tête on, comme quoi il y avait une question de performance et de noter, de dire le monsieur doit sortir avec la plus belle fille du coin ou, euh, ou autre chose donc j'avais des rencontres euh, ça me permet d'expérimenter des caresses, des bisous, euh, les premières approches. Et tout le monde trouvait ça normal, en fait. Mais si j'avais fait ça avec un homme, ça aurait été sale. C'est toujours ça dans ma tête. Ou ça aurait été, oh ah, mon Dieu, c'est euh, lui qui a. Et c'est pas dans la normalité de la société. Bien sûr. Voilà. Et toi, quand tu es avec une femme, euh, à cette époque-là, tu as de la joie, tu kiffes Oui, parce qu'en fait, euh, tu peux dire, euh, tu as des traces de suçons ou autre chose, et de mm. tu te dis, ouais, bah, personne ne pourra trouver mon secret, en fait. Et donc, je suis mm. classique. Et donc, ce côté-là, tu te dis, bon, bah, je peux continuer comme ça. Mm. Être d'un côté euh, c donc à la vie de tout le monde le parfait alors je dis le parfait hétéro le gendre parfait euh, mais à côté j'avais euh, bah, parfois des petites rencontres alors là après, après le lycée au point de liste donc euh, oui déjà après le lycée euh, bah, je commençais à fréquenter des lieux de, de drague euh, mais par contre c'était des coups par ci par là c'était après on m'a éduqué euh, de façon que j'étais toujours fidèle donc quand j'étais pas avec quelqu'un j'allais dans ce type de, de lieu pour voir rencontrer du monde ou voir des gens qui discutaient et dire, voilà, bah en fait, là, je peux être moi-même. Mmh. Mais c'était une vie parallèle, en fait. C'était un mode furtif et c'est de ne pas transpirer. Attends, j'ai envie de bien comprendre. Donc là, on est encore à l'internat. Ouais. Et cette vie parallèle, c'est quand tu sors de l'internat, tu ça quand des tu vas... C'est ça. À ah. l'époque, les années 80, euh, là, c'était euh, donc début des années 2000. Il y avait des bars gays, il y avait euh, les boîtes gays, même sur Poitiers. Mais ça a fermé aux alentours de 2000, 2010, mais bah, ça a duré 2-3 ans et ça a fermé. Donc, ok. Euh, donc voilà. Donc toi, tu as le courage d'y aller parce que tu as... Discrètement, tu parce vois, que... Tu dois flipper dans les rues, qu'on te voit... Oui, oui parce qu'en fait, euh, bah, discrètement, c'est-à-dire qu'il y a des moments où... Euh... Alors, pour beaucoup, je crois que euh, d'extérieur, on pensait que j'étais très solitaire. Mais en fait, j'allais euh, prendre le bus pour aller directement au centre-ville, euh, rencontrer, ou alors dans les lieux de drague pour... Euh... Assouvir mes, mes envies, voilà. Euh, mais toujours de façon discrète. Tu regardes toujours au bout de la rue, tu regardes qui, qui est derrière, et tu peux y aller. Ouais, euh, toi, euh, tu as l'impression d'avoir payé un prix de ce contrôle. Tu disais, j'étais en contrôle. Mais je paye encore aujourd'hui, parce que je suis toujours euh, dans le contrôle euh, de moi-même. Euh, bon, maintenant, ça va, parce que depuis que je, je me suis assumé, euh, j'ai pu relâcher le tout. Mais il euh, y a toujours des, euh, des choses, il oh, y, y a toujours des, des, euh, des critiques ou des, euh, des paroles, même au jour, jour d'aujourd'hui. J'ai des amis hétéros qui me font euh, euh, mais ⁇ Mais on ne dirait pas que tu es gay, toi bah, ⁇ J'ai dis ⁇ Ouais, merci, mais je sais pas comment je dois le prendre. <laughs> voilà. Faites pas comme les autres. Bah, C'est quoi les autres ?⁇ hmm. Mmh. Quelque chose qui a l'air d'être euh, super ancré dans ton chemin, dans le mien aussi en tout cas, euh, c'est cette urgence à ne pas avoir l'air efféminé. Tu parlais à un moment donné de quand je prends un thé, il faut pas que mon petit doigt soit levé. Que oh, voix soit trop douce. Que ta voix ah, soit trop douce, ah, ouais. Ah. Tu as eu l'impression de contrôler euh, La... quand tu avais l'air d'être un homme masculin Voilà, c'est ça. C'est de représenter l'homme masculin sans. Euh... Maintenant, on, peut Maintenant est beau, on est beaucoup plus libre et la société a évolué. En même temps que moi, j'ai évolué dans le, en âge, en fait. Mais euh, pour moi, il fallait pas il bah, y ait une main qui soit trop délicate ou, euh, ou qu'on ait de l'empathie pour les gens. Il fallait être macho, il fallait être truc viril. C'était des, des choses qu'on nous avait ancrées quand on était gamin et qu'il fallait, euh, fallait reproduire ou fallait être comme ça. Mmh. Il voilà. fallait être façonné de façon à être homme. Et ça, j'ai cru comprendre que selon toi, c'est plus une pression sociale des potes du village que de tes parents qui n'ont pas eu l'air. C'est ça. Enfin, parce que on, on parlait de ton père gendarme, mais il, il, il y avait ces. ces, ces... Bah, en Genre, fait, moi. Ne, ne, me rend, ne me donne pas la honte, ça. mais directement, il te disait pas euh, Oh là là, sois plus, euh, sois fort, mon fils. Euh... Non, mais après, euh, c'est euh, un, un représentant de la loi. Des, euh, mon père, pour moi, à mes yeux, était euh, bah, l'homme qui incarnait la virilité, qui, euh, qui incarne toujours la vérité, mais euh, qui demande à ses enfants d'être euh, même, même chose, c'est-à-dire mmh. être le junior de ce que je suis. Euh, parce que, en tout cas, c'est ce que je ressentais moi à, à cette époque. Et, euh, et ils ont dit, voilà, euh, soyez exemplaires comme moi. Mmh. Bon, on a fait toutes les bêtises possibles et imaginables, mais on faisait ça de sorte à être caché à chaque fois qu'on faisait des petites bêtises. Ouais. ouais, il y avait des, des vies, des doubles vies. Ah, oui, il y avait des doubles vies pour tout le monde en fait. On a tous fait des bêtises et, euh, et là-dessus, euh, bah, moi j'étais toujours sur le contrôle de tout. Donc il euh, ne fallait pas que je sois exemplaire, il fallait que je sois comme ça et euh, mmh. que je ne divise pas. Quand tu rencontres ce garçon à l'internat ou que tu sors dans le barguet de Poitiers ou dans les lieux de drague, tu arrives à kiffer enfin, Ta sexualité, c'est. Tu te fais sucer, tu suces, tu pénètres. Bah En fait. Ah, attends, excuse-moi, pardon. Ah. Il y a trois questions. <laughs> Je, là, le Je crois que ma première question, c'est est-ce que tu arrives à, à être. Euh... Présent dans ton moment de sexe euh, est-ce que Ou bien t'es genre putain merde, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière Est-ce que t'es sans cesse dans l'angoisse et dans le mental de cette double vie Ou est-ce que tu arrives à lâcher prise et quand tu baises, tu baises Non, non. Honnêtement, quand à cette époque-là, dans les lieux de drague ou autres, on est toujours sur l'eau qui vive. C'est-à-dire que quand je baisais, j'étais euh, le mec qui venait me faire sucer ou qui suçait mais avec un regard, euh, le regard, le fameux regard sévère que je tue tout le monde quand je le l'ai, mais, euh, mais il fallait être comme ça, parce qu'en fait, quand tu ressortis, il fallait pas euh, que si tu croises une dame ou euh, une personne dans la rue, il fallait pas qu'ils se rendent compte que tu étais, étais passé dans un lieu gay, en fait. Mmh. En, en quoi avoir un regard sévère euh, empêche la personne qui te voit sortir d'un bargay de faire des... Bah, en fait, quand tu as un regard fermé, euh, alors c'est moi, hein, euh, ça, veut pas dire, ça veut dire que tu étais dans la rue, mais tu n'as pas dévié dans, dans un petit chemin euh, en train de te faire sucer. Mmh. Euh, Peut-être regard fermé, c'est genre masculin, viril, hétéro. Ça. Malheureusement, c'est ça. Okay. Ce y avait, euh, et cette sexualité-là, à cette époque, tu euh, tu euh, tu tu t'es es pénétré. Est-ce qu'il y a de la nappe Alors, euh, j'étais donc très donc j'étais passif dans le premier temps. Donc euh, euh, donc je me faisais pénétrer. Mais après, quand l'affaire était terminée, hop, je repartais. Voilà, toujours avec toujours euh, l'obligation de pour moi dans ma tête, c'était euh, tu me pénètres, mais as une capote et tu montes la capote. Après pour savoir que tu m'as fait, euh, je me suis pas fait avoir, parce que dans une petite ville, si tu fais un dépistage ou autre, bah tu peux tomber sur une personne que tu connais. Ah, c'est pas si ouais. anonyme que ça. C'est-à-dire aller dans le centre de dépistage, après ça peut parler. Là tu vois par exemple, euh, quand j'avais 18 ans, j'en étais allé avec ma sœur jumelle euh, au, au CHU donc à l'hôpital de Poitiers, dépistage anonyme et qui, sur qui on tombe, l'infirmière qui fait les prises de sang, c'est copine à mon frère. Mmh. Donc, voilà, donc c'est le monde est petit et euh, c'est fréquent. Là, même là dernièrement, euh, j'y vais avec mon copain, euh, c'est Gilles de, de Poitiers. Et ben, en tant que la secrétaire, c'est euh, la fille de son propriétaire. Mmh. Donc voilà, donc le monde est très petit et euh, l'anonymat que vous avez vous quand vous allez dans les centres, même bien anonymat, bah, nous on l'a pas en fait. C'est que c'est tellement petit que tu peux bien rencontrer si. la per une personne indirectement tu connais. Ouais, bien sûr. Et eh ben tu vois, ouais j'y ai jamais pensé. Et, et, et pour moi, c'est pas anecdotique, tu vois cette euh, cette, ce, 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 cette ouais cette vie privée qui qui peut être. Euh... Bah en fait, moi maintenant, ça ça me fait plus rien. Mais euh, bah, c'est l'exemple là du, quand je te présentais l'exemple de Cégide mon copain quand on s'est connu, je dis bah là on va aller euh, se faire dépister, voilà. Mm -hmm. Donc naturellement, lui, il a un passé où il était marié pendant 14 ans avec une femme et tout le monde l'a connu comme père hétéro il va au CGI, euh, bah, je l'accompagne, et sur secrétaire, secrétaire quand il la voit, il fait Ah, euh, je la connais. Ah, mm. C'est pas si anonyme que ça, en fait. Mm. Ouais. Oui, parce que c'est normalement, c'est anonyme et gratuit. C'est ça. Ça peut l'être. On a l'anonymat, mais, euh, mais voilà. Euh, avant qu'on termine cette partie, j'avais envie de te demander, et on va parler dans, dans la partie d'après de la suite du Coming oui. Out et de cet amoureux, j'ai envie d'en de, savoir plus. Euh, euh, est-ce que tu, euh, tu avais accès à quoi pour créer le désir d'être pénétré Tu sais ce que je veux dire Genre, En gros... Euh, Est-ce qu'à à, l'époque, on avait quand On avait Internet. Hein on avait Internet, on avait euh, parfois du Canal Plus avec euh, oui. des films gays gay, okay. qui arrivent aussi. Non, mais donc là, il y a de la, a de la pénétration, de là. la sodomie, donc c'est comme ça. ça que tu kiffes. Ouais, bah, après, c'était euh, Internet. Et Internet, en fait, euh, c'était dans les années 99 où euh, ça arrivait et il fallait attendre le truc qui arrivait. Euh, un comme un le Minitel, voilà. Non mais Moi, ouais. j'ai fait ça, je suis sûr. Voilà. Et en fait, t'allais sur, euh, bah, sur poser des questions, et en fait, tu aidé euh, les grosses études, sexologie, voilà, comme ça, comme ça, mais pas grand-chose. Donc, tu découvrais, tu faisais ton propre, ta propre découverte. Pas découvrir. de porno, tu, tu veux sais, dire Pas de porno plus que ça, parce que si t'allais au porno, à la presse du coin, pour avoir ton magazine, bah, il connaissait ton père, oui il connaissait ta famille. Donc, pas de bol. Mais euh, je suis un peu curieux, je te <laughs> dis pas que tu vas avoir la réponse, mais est-ce que tu sais pourquoi ton désir est aller à l'endroit d'être pénétré genre c'est un peu bah en fait c'était euh, une première découverte donc bah, comme tout le monde tu suces ou euh, tu te fais sucer et tu euh, moi j'aimais bien bah, j'aime toujours les corps masculins et j'ai dit ah bah tiens on peut faire quelque chose j'ai dit bah pourquoi pas il y en a un qui bah, une occasion je crois que c'est la toute première fois on dit euh, tu veux essayer d'aller plus loin j'ai dit pourquoi pas et là, tu, tu pleures parce qu'il va plus loin et tu te dis, ah oui, c'est un peu dur. <laughs> voilà. Quand tu dis, j'aime les corps masculins, ça veut dire quoi bah, À comparer avec un corps féminin, j'ai plus, plus... Le corps d'une femme ouais, corps féminin, voilà. Ou bien, est-ce qu'un homme peut avoir un corps euh, féminin Non, euh, pour, oui, euh, certains, mais... Est-ce que tu aimes le masque for masque Tu vois à quoi ça fait référence non. Non. Franchement, ça me boit depuis le début. masque for mass", ça veut dire j'aime. Masculin les... pour masculin. masculin voilà, pour ouais. masculin. Donc, c'est justement des gens non, qui sont eux-mêmes et attirés par des hommes qui incarnent la norme euh, hétéro. Alors, euh, je pense que dans un premier machiste. temps, si je réfléchis bien, oh, oui, c'était ça. C'était masculin pour masculin. Après, tout, moi, j'ai évolué dans le temps. Ouais. Euh, parce que c'était ridicule. C'était euh, juste pour retrouver euh, la même chose et pour dire est-ce euh, qu'on a les mêmes codes. Parce que souvent, c'était des hommes mariés que je rencontrais. Mm. Des hommes qui étaient, euh, qui étaient en couple hétéro, qui étaient malheureux. Ou, euh, ou rarement, un euh, gay assumé, ça n'existait pas trop à cette époque-là, en fait. Mm. Parce que sinon, bah, tu étais, étais au placard au niveau du boulot. Donc, euh, ou au niveau de la famille, tu ne parlais pas. Donc, euh, c'était des mm. euh, rencontres c'était euh, souvent des personnes plus vieilles que moi. Euh, qui avait une quarantaine d'années alors que j'avais une vingtaine d'années euh, à l'époque. Donc là, on est toujours à l'internat À l'internat, j'avais euh, 15, jusqu'au euh, Jusqu'à jusqu 18 ans, ouais. jusqu'au bac, voilà, c'était des personnes de plus d'une trentaine, une quarantaine d'années. Donc avais pas, à cette époque-là, tu n'avais pas d'amoureux hein. enfin, J'avais juste, voilà, juste fait une première expérience, c'est tout. Avec euh, le fameux copain qui était Avec à, le copain. Un... Mais après, on sort au bar. Ah, mais, euh, après, on sort au bar, mais après, c'était juste des rencontres fortuites et voilà. Hein. Euh, ouais, ouais c'était à court terme voilà. à ce moment là il n'y a pas de, de régulier il n'y a non. pas de, de quelqu'un ok je voulais pas de régulier surtout je voulais pas qu'on arrive à tracer mes rencontres mmh. c'était ça c'était le, le, le fait de bah encore de sécuriser le tout c'est à dire que mmh. si je te rencontre plusieurs fois peut-être que ton copain de ton copain ou ta Bien copine de ta copine va te connaître quelqu'un oui. que je connais donc non tu parlais de ta sœur qui t'a accompagné au CGID pour mmh. faire tes, tes tests. Ah, oui, c'était au CHU le CGID n'existait pas encore à ouais. l'époque. Ouais. Bon, en tout cas pour faire ouais. tes tests. Voilà. Euh, Est-ce que tu lui as reparlé de cette fois où elle a dit c'est sale Alors, je lui ai parlé quand j'ai fait mon coming out. Elle ne s'en rappelait plus. Elle ne s'en rappelait plus du tout. Alors que moi, c'était très important dans ma tête. Je lui en ai parlé et elle m'a dit non, bah, je, je suis affaibli, je suis désolé. Mmh. Bah, à l'époque, elle a dit je suis désolé d'avoir fait ça. C'était une enfant comme toi Oui, c'était une enfant comme moi. voilà. Mmh. Ça t'émeut oui, oui, cette partie-là est très, très, bah, c'est très, bah, en fait, c'était une sorte de mini victoire parce que c'est excusé de d'avoir indirectement pollué ma vie et euh, de m'avoir un peu dit, euh, c'était bien, il euh, fallait au moins quelqu'un qui, qui me puisse me dire à cette époque, bah non, faut que je fais pas comme ça au départ parce que sinon tu vas avoir une vie chaotique où tu vas être lapidé sur place publique parce que euh, tu t'assumes en tant que gay donc. Euh, ah, d'accord. Pour toi, en fait, elle t'a rendu service en ouais, disant ça. À cette époque-là, par rapport à l'année, c'est-à-dire que c'était 80, 90, c'était très compliqué de s'assumer en campagne. Euh, maintenant, ça. Je vais bah, expliquer plus tard, mais maintenant, c'est très ouvert. Euh, mais bah, pas, à cette époque-là, c'était pas du tout. Parce que t'as l'impression que sans la mise en garde de ta mmh. sœur, t'aurais pu suivre ton élan, ouais. le dire et te faire lapider Ouais, c'est ça c'était euh, une pression à ce point là où toutes les blagues euh, qu'on peut avoir en soirée c'était autour de bah je suis pas gay je suis pas pd je suis un truc je dois pas être comme ça mm. Donc, tout le monde euh, bah, en plus rigole parole euh, mm. là dessus Bon on va faire une partie 2 où on va raconter enfin moi j'ai envie si tu' es d'accord la suite euh, moi j'ai envie de parce qu'en fait la suite est belle quand même. Oui, la suite est très belle. Ouais. Et euh... Je trouve que c'est vachement important la parole que tu as posée. Moi, elle m'émeut vachement, elle me touche vachement. Je pense qu'elle est pour moi essentielle. C'est mon point de vue, tu vois. Déjà, un, parce que c'est ton témoignage, mais aussi parce que ça raconte euh, un autre chemin. Et je pense que, et un chemin essentiel euh, qui est partagé par plein de gens. Je suis désolé, je dis des banalités. Oui, c'est possible. Pour moi, pour moi ce, euh, comment, enfin, toutes ces années-là, Préfigure, impact et influence ta sexualité d'aujourd'hui et ce que tu t'autorises ou pas à faire aujourd'hui et ce que tu as conquis ou pas. Tu vois ce que je veux dire Donc, si on n'a pas ce contexte-là, on peut pas aller à la suite. Mais il y a beaucoup d'évolutions pendant les des années et la société aussi a évolué pendant les le années. Donc, ça a permis d'ouvrir des choses que moi je, je cachais. En fait. Rendez-vous à l'épisode prochain. ça À tout de suite. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/slash comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur ⁇ S'abonner ⁇ ou ⁇ Suivre ⁇ sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs-donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que je n'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast, c'est toujours le même lien, bit.ly comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.